machine indique que le niveau de radioactivité reste élevé dans cette partie du monde. Par ailleurs, le feu continue à faire rage dans les champs de pétrole d'Arabie. Les réserves mondiales de pétrole ont donc encore diminué et l'essence devient pratiquement introuvable. Les émeutes dues au manque de vivres sont entrées dans leur troisième jour et la loi martiale vient d'être déclarée. Les unités de l'armée ainsi que la garde nationale ont été chargées de rétablir l'ordre et le commandant en chef a déclaré que tout déserteur serait abattu sans sommation. La migration vers les campagnes se poursuit et des zones rurales jadis paisibles deviennent des champs de bataille où sévissent des bandes de vagabonds qui se livrent à un véritable banditisme et pillent les fermes à la recherche de vivres et de munitions et de réserves cachées de fioul. La plus célèbre de ces bandes obéit aux ordres du colonel renégat Jacob Stryker. Stryker se déplace dans un véhicule blindé et a jusqu'ici réussi à échapper à toutes les poursuites. Les forces de la police étant engagées à fond dans les villes, on peut penser que le règne de la terreur instauré par Stryker ne fait que commencer. T'as entendu? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça doit être le vent. Il y a quelque chose de bizarre. Mais non, tu rêves. Venez voir! Bonjour. Bonjour.
Où est-ce que vous avez dégoté tout ça? Eh ben, figurez-vous qu'on roulait tranquillement quand on a vu ces bidons sur le bord de la route. Quelqu'un a dû les perdre. Je sais d'où ils viennent, je peux vous emmener, je sais où c'est. C'est pas loin d'ici. Merci beaucoup, mon vieux. Oui, pas de quoi. De notre gueule, ils nous emmènent dans une zone radioactive. Mais non, ils mettent cette pancarte parce qu'ils veulent faire peur aux gens, mais il n'y a pas de danger. Ouvre la barrière, Bone. Je fais pas là-dedans, moi, c'est dangereux. Ouvre, je t'ai dit. Tu verras que j'avais raison quand ta gueule deviendra verte et que tu perdras tes dents. Conduis et tais-toi. Chef. Et pour toi, y en a marre, mon camion marche pas aux ordures. Y a mes pistons qui s'encrassent, alors je veux du diesel, t'entends? Mais c'est dans l'autre carrière, derrière, là-bas, je vous jure, je vous dis la vérité, je vous jure! Oh, t'as tout intérêt. Parce que si tu racontes des histoires, je vais te livrer à Willy. Il connaît un petit jeu, tu verras, il est très habile. Mais c'est vrai, je me suis entraîné sur les chiens. Mais les chiens, ils ont jamais rien à avouer, eux. Je vous ai dit la vérité, y a qu'à y aller, vous verrez, je vais vous montrer. Je vois rien ici. Oh, je vais le tuer. Non, t'as entendu le chef, il a dit qu'il est à moi. Si j'en laisse quelque chose, je te promets que tu pourras le tuer. Allez, ça suffit. Alors, où est-ce? Là-bas. Je vais vous montrer, c'est bien caché. Le terrain n'est pas miné, j'espère. Non, non. Vous en faites pas. Bon, alors vas-y, passe devant. Allez. Hé, pousse pas. Oh merde, qu'est-ce qui se passe?
Il y en a 50 000 litres, chef. Cet endroit me plaît. Je pense qu'on aurait tout intérêt à s'y installer. Va t'occuper de ça. Oui. Bone. Chef. Fais distribuer un remontant aux hommes, ils l'ont bien mérité. Oui, chef. Plantez les tentes, on s'installe ici. Ouais, Willie. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Va chercher la fille. Il y a longtemps que tu connaissais cet endroit. Et mon vieux bossait ici comme sergent-major, quand le gouvernement est tombé. On en a pour ainsi dire hérité. Tu as eu beaucoup de chance, on dirait. Ah oui? Jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, emmène-le. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Bayonne-le. Je vous ai dit la vérité. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça, voilà. Corley. Tu es en âge de prendre certaines responsabilités. Cet homme est un danger pour nous tous, et ça pour plusieurs raisons. Est-ce que tu me comprends? Ah ben, tant mieux. Alors je voudrais que tu me rendes un service. Tue-le, s'il te plaît. C'est un monde nouveau, Corley, avec de nouvelles lois. Tu dois les apprendre. Laisse tomber, sale ivrogne, t'as pas la force. Ah, faut dire qu'il est salement pété ce soir. Tu ne crois pas que ça pourrait faire une base terrible, ça? Si, mais on est dans une vallée, il faudra prévoir un périmètre de protection. Je vois le champ de tir par ici, le long de cette crête. Ah, et puis des armes automatiques ici, ici, ici. Des sentinelles dans la route, faudra des guetteurs. Et en ce qui concerne l'eau, elle ne peut venir que du fleuve. Il faudra donc que des équipes y descendent une fois par jour. Les patrouilles circuleront dans toute la vallée. Elles iront jusqu'à ces collines et elles devront revenir ici toutes les 4 heures. Mais le plus important, c'est d'avoir 2 hommes sûrs qui monteront la garde près du module 24 heures sur 24. Oui, c'est à nous que ça appartient tout ça maintenant. C'est à nous, Bone. Et c'était inévitable. Les généraux ont manqué de couilles, ils n'ont pas osé prendre une décision. Les guerres ne sont jamais gagnées par ceux que guide l'ambition politique. Ils attachent en général plus d'importance au rouge à lèvres qu'au napalm. Mais qu'est-ce que c'est? Ton imagination. Thank you.
veulent pas nous laisser, hein? Carly! 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 Tiens, voilà un cocktail! Attrape! Laissez-moi, mais foutez-moi la paix! Laissez-moi! Oh, bon petit cheval sauvage, tu t'es fait mal. Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix. Et ne laissez pas partir pour le rattraper. Et montez. Cette fois, on va pas le manquer. Hey, attendez. On va lui faire sa paix, de salopard! Prends-le! Ces types, qui c'était? J'en sais rien, je cherchais quelque chose à manger et je les ai vus venir derrière la crête. Qu'est-ce que tu fais par ici, toi? T'as de la famille? Des amis? Non. Personne? Non. Mon père est mort et toutes mes affaires étaient sur mon cheval et il s'est enfui. T'as pas quelque chose à manger? Monte. Tu décides? S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Du méthane. Je le fabrique avec de la merde de poulet. Tu sens pas un peu seul ici, des fois? Ouais, j'aime pas tellement les gens. Est-ce que t'as fait la guerre? Ouais. Je parie que t'es pas souvent dérangé par les visites. Non, c'est vrai. Je vais jeter un coup d'œil à ta jambe. Non, c'est pas la peine, c'est rien. Fais voir. Assieds-toi sur le lit. Ici, il faut se méfier de la moindre égratignure. On ne sait jamais ce que ça peut réserver. Tout finit toujours par guérir. C'est une question de temps. Pas la gangrène. À ce point-là, je vais faire ça doucement.
Ton père, comment il était? Oh, mon père, c'était un saint. Il n'y avait personne qui ne l'aimait pas. On voyageait un peu partout ensemble. On rendait des petits services. On se rendait utile, quoi. Ça va piquer, attention. Et puis un matin, il s'est pas réveillé. Alors j'ai continué toute seule. C'est ce qu'il aurait voulu que je fasse, je crois. Faut qu'on s'en aille. Pourquoi? Parce qu'il faut recoudre ça. Je vais t'emmener à la ferme à côté. Là, j'ai un copain, il y a un docteur là-bas et des remèdes. Ça va déjà beaucoup mieux. Allez, avance. Attends, laisse-moi rester ici. Tu veux pas? Je saurais me rendre utile, je t'assure. Le travail, ça me fait pas peur. On dirait pas. Ah, mais je travaillerai dur si seulement tu me donnes une chance. La solitude, c'est bon pour moi, pas pour toi. Très bien. Reste ici. T'as qu'à frapper, tu demandes Rusty. Mais tu viens pas avec moi? Non, c'est pas un endroit pour moi. Bon. Au revoir. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Je voulais lui faire voir le nouveau poste que je viens de fabriquer. Je capte des émissions en provenance de la Mecque. Des prières, la plupart du temps. Oh, moi, je m'appelle Rusty. Et moi, Corley. C'est Hunter qui m'a dit de venir vous voir. Ah, vous voulez vous joindre à nous? Oui. Chouette. Si vous voulez entrer, je vous ferai visiter. C'est Hunter qui a amené quelques-uns de nos meilleurs membres. Il reste jamais en place, celui-là. On a toujours besoin d'aide ici, même en hiver. Vous mangerez à votre faim si vous avez rien contre les navets. Oh, j'adore les navets. On a créé une vraie démocratie. C'est un truc démodé, je sais, mais ça semble fonctionner. C'est mon atelier qui est là-bas, vous voyez? Et par là, c'est... On appelle ça le dôme. C'est là-bas que vous dormirez jusqu'à ce qu'on vous trouve une maison. Enfin, je veux dire, si le vote est en votre faveur. Mais je crois que ça ne devrait pas poser de problème, parce que les femmes... on a beaucoup de célibataires ici. Vous l'êtes? Oui, tout à fait. Ah, oui. Il faut être gentil avec tout le monde, mais pas trop gentil avec quelqu'un en particulier. En tout cas, jusqu'à ce que le vote ait lieu, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai compris. Rusty, où tu vas avec elle? Oh, c'est Corley. Mais tu ne devrais pas marcher avec une blessure pareille. Une blessure? Allez, viens avec moi. T'en fais pas. Je vais t'arranger ça très vite. Et tout de suite, on vit que le soulier des deux méchantes sœurs aient pu montrer leur surprise, la bonne fée apparut devant elle. D'un coup de sa baguette magique, elle transforma les misérables haillons de Cendrillon en une merveilleuse robe de soie dorée. Les deux méchantes sœurs en pâlirent de jalousie et de colère. Va maintenant, dit la bonne fée à Cendrillon. Un carrosse t'attend dehors pour t'emmener vers ton prince. Ainsi, Cendrillon trouva enfin le vrai bonheur dans les bras de son prince. Et le lendemain, sans plus attendre, ils se marièrent et ils vécurent très heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est fini. Merci, Corley. Il n'y a pas de quoi.
c'est beau. Où est-ce que tu l'as eu? Quelqu'un m'en a fait cadeau. Tiens. Non, c'est à toi, Corlie. Je veux que ce soit toi qui le porte. D'accord? Oh, merci, Corlie. Bon, tout le monde est là, on peut ouvrir la séance? Comme vous le savez, Hunter nous a amené une nouvelle recrue. Je crois que vous avez tous fait connaissance avec Corlie. Et y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. À propos de Hunter. Tu as dit que tu allais dans sa maison. Hein? Où est-ce que c'est? Je ne sais pas exactement. Je ne suis restée chez lui que quelques minutes. Et je pense que nous n'avons pas à violer l'intimité de Hunter. J'ai moi-même été chez lui, comme Corlie, et je ne vois pas où est le problème. Il devait arriver que tu as choisi entre lui et nous, de quel côté serais-tu? C'est une question ridicule, John. Elle n'aura jamais à faire ce choix. Maintenant, que tous ceux qui sont pour accueillir Corlie lèvent la main. Voilà, à l'unanimité. Sois la bienvenue à la ferme, Corlie. Merci, Charlène. Je vous promets que je ferai du bon travail. Félicitations, Corlie. Je vous remercie beaucoup. On est content de t'avoir avec nous. Merci, merci à tous. Vous êtes très gentils. Merci, je suis très, très... Salut, Corlie. Salut. Comment ça va? Très bien. Tu ne voudrais pas aller faire un tour ce soir? Si, peut-être. C'est la pleine lune, alors j'ai pensé qu'on pourrait aller jusqu'au canyon et la regarder se lever sur la montagne. On verra. Je suis pas trop fatiguée. Peut-être. Ce serait chouette. À tout à l'heure. Elle ne les décourage pas trop. J'ai pas l'impression qu'ils se découragent facilement. Comment vont tes mains maintenant? Oh, ça me fait encore un peu mal. Mais tu travaillais pas avant que tu viennes ici? C'était pas le même genre de travail. Quelle sorte de vie tu avais? Différente de la vôtre. Charlène, tu sais, je... Corlie, qu'est-ce qui ne va pas? Vite, tous à la ferme! Ne t'inquiète pas, c'est probablement rien. Mais on n'est jamais trop prudent. Tu as l'air de savoir ce que c'est. On laisse la tranquille. Mais si tu sais ce que c'est, dis-le, alors dis-le! Mais regarde-la. Elle a peur, il doit y avoir une raison. Ça suffit, John. Viens, Corlie. Attention, il va nous repousser!
Corley, ne sors pas, tu vas te faire tuer. Sortez tous. Je veux voir tout le monde dehors. Jetez vos armes et sortez les mains sur la tête. Plus vite. Plus vite. Salut, je me présente Colonel Stryker. Et je suis venu parmi vous pour vous délivrer de l'anarchie et du chaos. Je serai votre chef et sous ma loi, vous allez réapprendre la discipline et l'obéissance. Toute rébellion sera sévèrement réprimée. Alors, vous continuerez à planter vos patates et à cultiver votre maïs. Mais vous le ferez sous la stricte surveillance et au seul bénéfice de votre chef. Le règne de la démocratie est terminé. Qui est-ce qui commande ici? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez le droit? Qu'est-ce qui commande ici? Tout le monde est personne. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Bon. Oui, chef. Tu vas procéder à l'inventaire et à la réquisition. Bien, chef. Hé, hey, Willy. Hein? Inventaire et réquisition. Pillage! Pillage! Les munitions et les médicaments, les fourrures et tous les métaux précieux. Les machines à coudre, si vous en avez, et la moitié de vos vivres. Et comment on mangera cet hiver? On parle pas quand le chef donne ses ordres. J'exige que tout le monde ici me respecte. Oh, dis-moi un peu, toi, où se trouvent les femmes? Dans le bâtiment, derrière. C'est moi, John. Il faut que tu ouvres, on n'a pas le choix. Allez, rentre. Est-ce que je peux faire sortir les enfants? C'est beau. Lenny. Toi. Monsieur. Fais sortir les enfants et emmène-les ailleurs. Oui, monsieur. Attends. Viens par là, toi. Où est-ce que tu as eu ça? C'est à Corley. Donne-le-moi, je vais le garder. Willy! Tu là, chef! Là. Emmène les femmes. Toutes les femmes? Vous avez entendu? Il y a des messieurs dehors qui attendent ces dames. Et que ça tourne. Il semblerait que vous ayez parmi vous une nommée... Corley. Oui, on aurait bien voulu s'en débarrasser.
Mais tout le monde a eu peur du gars qui l'a amené ici. Et où est-elle? Si elle n'est pas ici, je suppose que vous la trouverez chez lui. Son nom, c'est Hunter. Et où est-ce que je peux trouver ça, Hunter? Il vit dans la montagne, je ne sais pas où. Non, non, bon, non. Laisse-le, laisse-le. Merci. Il y a quelqu'un qui sait où il est. C'est Rusty. Lui et Hunter, ils se connaissent bien. Ce sont de vieux copains. Bon, eh bien, je vais aller parler avec ce Rusty. Bon. Qu'est-ce que t'as? Il t'est arrivé quelque chose? Non, oui, enfin je sais pas. Ils vont tous les tuer, j'ai peur, ils vont les tuer. Qui? Les mecs avec qui j'étais quand tu m'as sauvé, maintenant ils sont à la ferme. Ne te mets pas dans cet état, calme-toi. Non, tu peux pas comprendre. Si, j'ai compris. Non, je t'ai menti, je fais partie de leur bande. Est-ce qu'au moins tu les as prévenus à la ferme? Oh, mais même s'ils savaient, ça changerait rien. On peut rien contre ces hommes, c'est tous des brutes. Et alors, c'est une raison pour ne pas se défendre? Personne t'a suivi jusqu'ici? Non. Espérons-le. Viens, tu vas rester ici cette nuit. Et demain matin, j'irai voir ce que tes copains trafiquent. Faut que tu te reposes, t'es épuisé. Pourquoi les hommes sont-ils obligés de se battre? Chacun veut toujours avoir plus que son voisin. Ça pourrait changer, non? Ça fait des milliers d'années que ça dure. Alors il faut que ça change, c'est tout.
servir de ça. Oui. Mais s'il le faut, hésite pas, je reviens. Allemagne, ici Strecker. Fais sortir la fille et il n'arrivera rien. Cet ordu reviendra, c'est plus ici qu'il habitera. Allez, monte. Toujours une garnison à l'arrière. Ouais, il a intérêt.
as fabriqué? Bah, j'ai juste regardé dedans, pourquoi? J'aurais dû me douter que tu savais pas t'en servir. Bougez vos fesses, restez pas là à rien faire, allez! Remuez-vous! Et au travail! Où est-ce qu'il dort, le chef? Toutes les nuits, il se barricade dans son camion. Ça vaut mieux, sinon il y a longtemps qu'il serait fait étriper. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir en route. Tu ne nous as pas dit la vérité. J'ai essayé. J'ai pas pu. Cinq de nos amis sont morts à cause de toi. Peut-être que Stryker nous épargnera si on la lui renvoie. Mais il a raison. Il faut la renvoyer. Reste tranquille. Il n'est pas question de la renvoyer. Tu voudrais qu'on sacrifie toute notre communauté à cause d'une seule personne? Même si je n'avais pas été là, il serait venu. Mais si personne ne veut de moi, je vais m'en aller. Attends une minute. T'as aucune raison de partir. Vous feriez bien de prendre vos dispositions avant qu'il revienne ici. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Non, c'est nous qui en avons descendu quelques-uns. C'est moi qui leur ai dit où te trouver. Oui, je sais. Il n'y a que toi qui sais où j'étais. M'ont attrapé la main et puis l'ont mis dans... Ça m'a fait trop mal, j'ai craqué. J'ai connu la torture aussi. Il n'y a personne qui tient le coup. Toi, t'aurais résisté. Non, je te garantis que j'aurais fait comme toi. Peut-être bien, mais ça m'étonnerait. Je t'assure, t'es pas responsable. Non, merci. J'ai besoin de ton aide, Rusty. Il va falloir que tu me fabriques un véhicule léger, blindé, d'accord? Tu sais toujours fabriquer des explosifs. Oui, oui. Je crois qu'il me reste un peu d'acide sulfurique. Je me débrouillerai pour l'acide nitrique. Mais ma main. Sers-toi de la mienne. Ah ouais, ça fait des mois que je t'observe. Tu donnes les instructions et je travaille. Tu m'as toujours dit que j'étais adroit. D'accord. Allez, au travail. Viens avec moi. Bon, Alvin, j'emporte ce collecteur à l'atelier et tu le démontes. Corley, prends ça. Attends, le ressort aussi. Bah, Hunter, reste pas là, emporte-moi ça et viens. Je crois qu'il doit me rester des vitres par balle.
J'ai bien réfléchi. Et alors? Tu as raison. On doit se défendre. J'aimerais vous aider si vous voulez de moi. C'est pas le boulot qui manque. Ouais. On a ratissé tout le secteur. C'est pas possible qu'il soit passé par là. J'ai encore jamais vu une moto s'envoler, alors il doit pas être loin. Je veux que vous le trouviez. Et chef, il y a ces trains de savates qui étaient en train de nous espionner. Qu'est-ce que vous foutez ici? On est chez nous, ici. On n'a rien à foutre. Et descendez. Mais on n'a rien fait. Ah, il plaisante. Allez, tirez-vous, je garde pas en souvenir. Ça va être tout rouillé. Mais non. Ah, j'espère que t'as raison. Mais depuis le temps que c'est là, on peut pas savoir. Ça y est. Excuse-moi, j'ai pas frappé pour ne pas te réveiller, je voulais pas te faire peur. Non, ça fait rien, j'ai cru que c'était Hunter. Il devrait pas tarder à rentrer maintenant. Ouais, faut dire qu'il a bas un sacré boulot. Comme nous tous, d'ailleurs. Je te fais une tasse de thé, si tu veux. Non. Écoute, Corley, je suis venu te faire mes excuses. Je ne me suis pas bien conduit avec toi. Tu me pardonnes? Oui, je te pardonne, Jeff. Maybe I will have that cup of tea. Tu sais, j'avais pas l'habitude de vivre comme ça avant. Oui, mais avant que tout s'écroule, on vivait tous différemment. Dommage qu'on soit pas connus plus tôt. Ça aurait peut-être pu marcher entre nous. Corley est là-dedans? Corley! Non, non, Alice! Il faut l'attendre de là! Arrête, Corley n'est pas là! Elle a été kidnappée par John! Ah, le salaud! La grange! Il faut sauver la grange!
Donne-moi ça! T'en fais pas, Hunter, elle est vivante. Judd l'a enlevée dans le camion. Il y a longtemps? Quelques heures. Je m'occuperai de toi après. Cette fois, il a eu son compte, ton copain. Elle a du calme. Je viens voir le colonel Stryker. Ah oui? Je lui apporte une surprise. Ça va, ouvrez-lui. Bonjour, colonel. Oh, la gazette de la ferme.
Qu'est-ce que mon pigeon voyageur vient nous raconter aujourd'hui? Je pensais que vous seriez content de savoir que Hunter est mort. Non, sans blague. Et comment? Eh bien, il a voulu m'empêcher de vous apporter le petit cadeau que j'ai dans le camion. Colonel? Bonne, emmène-la chez moi, tu veux? Oh non, chef. Vaut mieux la laisser filer. Dès qu'elle se pointe quelque part, c'est la merde. Bien, chef. Excuse-moi, chef. Ah, ce sacré John. T'es un petit futé, toi, dans ton genre, tu sais. Faut dire que j'en ai marre de respirer l'odeur du fumier. Eh ben oui, je comprends ça. C'est vrai. Je suis sûr que je vaux beaucoup mieux que ça. Allez, viens par là. Je vais te mettre au courant de mes projets. Des grands projets. Pourquoi tu as fait ça pour moi? Je pensais que ça vous ferait plaisir. Quitte à égratigner la figure comme ça. Eh bien, elle m'a résisté. Quoi? Tu as osé la toucher? Écoute-moi bien, si jamais tu t'avises seulement de lever les yeux sur elle, je te couperai les couilles et je te les ferai bouffer l'une après l'autre, tu m'as compris? Je vous promets, mais lâchez-moi! Alors? Tu voudrais faire partie de ma bande, hein? Sois le bienvenu, ordure. Je suis sûr que j'ai touché, je l'ai vu tomber, juste là. En tout cas, il n'est plus là. Qu'est-ce que j'en fais? Je le tue? Mais je l'ai vu rouler jusqu'en bas de la colline. Je suis certain qu'il était mort, oui, je l'ai... t'énerve pas. Derrière. Aidez-moi. Ah. C'est Judd qui a fait ça. Il reste de l'alcool quelque part. Non, il reste rien du tout. Ils ont tout emporté avec eux. Tout ce que je peux t'offrir, c'est l'eau de la rivière. Il pourra peut-être combattre l'infection en se reposant une semaine ou deux. Non,
Il faut absolument que demain je sois parti, ils vont me chercher. J'ai peur qu'ils viennent ici. Ni l'arthrite, les furoncles, mais il s'agit d'une blessure profonde. Oh, Cotéris, là. Ça finira peut-être par guérir tout seul. Non, Alvin. Ah. Il a raison. Je ne resterai pas avec toi. Je ne t'appartiendrai jamais. Tue-moi ou bien laisse-moi partir. Ta beauté, tu la tiens peut-être de ta mère. Mais ta violence et ta nature passionnée, tu les tiens de moi. Je ne peux pas rester avec toi. Tu dois le savoir. Non, pourquoi? Hunter viendra, il te tuera. Oh, ne fais pas l'enfant. Si je pouvais te tuer, je le ferais. Non. Nous aimons tuer tous les deux, alors nous tuons ce que nous aimons. N'est-ce pas? Non. Nous sommes deux images de la même personne, toi et moi. Tu es mon sang, mon héritière, mon immortalité. Tu perds ton temps avec moi. Tu as perdu ça, princesse. Je te déteste. Et moi, je t'aime. Alors, comment te sens-tu ce matin? Tu penses que ça va être bientôt fini? Il faut quand même prendre le temps de faire des essais. Quand est-ce que le moteur tournera? Faut compter encore quelques heures. Alors, dès qu'il tournera, c'est moi qui ferai les essais. Hunter! Mais t'es dingue, tu sais tout le sang que t'as perdu. Fais tourner le moteur, Rusty, et t'occupe pas du reste. Le starter automatique est mort, alors j'en ai mis un manuel. Mais avec le méthane, ça démarre tout de suite. Le contour n'a pas été calibré, alors pour compter les tours, file-toi à tes oreilles. Et je sais conduire, t'inquiète pas. Je vous demande juste d'être ici si j'ai besoin de vous. Oh, t'en fais pas pour nous, hein. Nous, on sera là, ce qui compte, c'est que toi, tu reviennes. Fais attention à toi, hein. Qu'à espérer qu'elle tiendra le coup.
c'est pas vrai! Qu'on démonte tout, on va se barrer. Dans quoi où on va? Tu es Hunter. Willie, c'est la chef. Monte dans le camion, on s'en va. J'ai dit plus vite. J'ai pas l'intention de te laisser le foutre en l'air, c'est mon camion. C'est toi qui le conduis, mais il est à moi, alors conduis, tais-toi. Je crois bien que c'est beau de garer, non, je commence à avoir peur. Boucle-la, où il est. Ça, il va exploser. Ta gueule. Ta gueule, imbécile, ta gueule. Non, chef, je crois que j'ai une idée. On préfère demi-tour. Où elle est. On préfère demi-tour et revenir. Vous allez la boucler, bande de trouillards. J'en ai marre de vous entendre. Fermez-la tous les deux, c'est compris? Et toi, avance! En plus, le moteur va exploser. S'en fout, continue. Hunter va revenir me chercher, il te tuera parce que c'est lui le plus fort. Te fais pas d'illusions, il est pas encore là.
Kevin, le lance-fusée. Ouais. Mais tu saignes. Dépêche-toi, il arrive. Et toi, prends l'autre. Prêt. Merde. Vite, Rochard. Mais où est-ce qu'il est? Le toit vient de s'effondrer. Plus vite, Bone. Tu fuis, tu as peur. Moi, la peur connaît pas. Aide-moi, Alvin. Vous, t'es beaucoup trop faible. T'as aucune chance avec ta moto contre ce camion. Eh, peut-être. Mais je vais essayer. Oh. Et il vient de bifurquer. Il va en direction de la ferme. Mon camion, Striker. Enlève-le de là. Allez, prends sa place. Qui t'ai sauvé? Je t'ai sauvé. Striker, maintenant c'est fini pour toi. Ouais, c'est ce que tu crois. Tue-le! Tue-le, Hector! Tu crois que c'est fini, hein? Non, laisse-le! Non! Non! À terre! Non! Perdu! Et viens vite!
Au revoir, ami. Merci. Fais attention à toi. Je pensais que tu allais rester. Je reviendrai. Quand? Un jour.